entre 16h et 20h, et bim! Virginie, on fait une première position. Allez, c'est parti, on va commencer par une figure qui s'appelle le Fireman. Je vais sceller la barre avec mes deux genoux. D'accord, ça fait pas mal. Faut vraiment imaginer le pompier qui descend pour aller sauver les jambes en feu, tu vois. D'accord. J'y vais, je serre les genoux et je tiens avec les mains. Voilà, ouais, je tourne. Ouh là là, je tourne. J'ai l'impression en fait d'être un cochon pendu à une broche. Non, je t'assure, tu es un très joli cochon pendu alors. Alors, une autre position, on va partir dans quelque chose d'un peu plus sensuel. D'accord. Moi je connais le sensuel. Voilà, le sensuel c'est bien. Donc on va onduler son corps contre la barre. Ouais, d'accord. Comme une vague un peu. Comme une vague, exactement. Ça s'appelle faire des body waves. Okay. Donc c'est très sensuel, c'est très féminin. Faut utiliser le regard, faut utiliser les cheveux, faut tu utiliser fais ça en les bois pour enlever les mecs ou pas? Ça marche assez bien. D'accord, ok, ouais. Je le note. Okay. Je te montre? Ouais, vas-y. Allez, regarde. Alors j'ondule, je pars depuis le haut du sternum et je descends au niveau de la poitrine. Ah oui, donc tu te colles à la barre. Du plexus et du ventre. Alors ça se travaille la souplesse, mais ouais, un petit peu. Et c'est mieux quand t'es tatouée, hein, ça donne plus envie quand même. Ouais, exactement. Et avec les cheveux relâchés aussi. Ok, les cheveux relâchés, c'est hop, j'essaie, j'ondule. Bon, voilà, je suis pas très sexy, je manque un peu de sensualité. Et après, je me tourne et hop, je balance mes cheveux. Mais pourquoi toi tu mets la cuisse en l'air comme ça? Bah parce que c'est pour l'attitude, tu vois, c'est le petit côté sexy, c'est tout ça, je t'apprendrai si on nous filme. Allez, on continue les filles. Allez, quelque chose d'un petit peu plus difficile, hein, parce que je vois que tu t'en sors bien et voilà. Donc on va continuer avec une figure qui s'appelle le fantique. Tu regardes bien, Marion? Ouais, le fantique. Alors, regarde bien. J'accroche fort mes mains, je serre ici avec le bras. Avec le sein, même. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Regarde bien. Paf! Oula! J'enlève les jambes. Ok. Donc il faut que tu utilises tes abdos. Donc les garçons, je vous réexplique. Je serre la barre, ouais, je colle bien la barre, je colle mon sein à la barre, et hop, kick. Voilà. Ouais, m'a vachement aidé. Hein. Et écoute, franchement, pas c'était pas super féminin, faut quand même que je te le dise, il y a encore un petit peu de travail avec le fantique. C'est à moi que tu parles? Ouais. Ok, c'est pas grave, vas-y, on continue. On continue une troisième figure, encore un petit peu challenging. Ouais, vas-y. Ok, ça s'appelle la planche. Et là, c'est ton entrejambe qui va souffrir, Marion. Ouais. Alors, je tire, je serre mes jambes, donc ma barre est coincée entre les jambes. Et là, je m'étends, tu vois, comme le matin quand tu te réveilles. Ouais, enfin, le matin, je ne me réveille pas comme ça, mais ok, c'est la position Superman, ça? Ça, c'est pas la position Superman, c'est la position de la planche. D'accord, donc en fait, là, la barre, tu la tiens entre tes cuisses, en fait. Exactement, et avec mon bras quand même. Hein. Avec mon bras quand même. Ok, bon bah j'essaie, allez c'est parti. Alors je vais t'aider un petit peu. Pas un ridicule les garçons. Hein. Donc, comme hop, ça. Tu viens t'asseoir, tu serres tes jambes, tends bien. Ok, alors non là ça va pas du tout. Ah oui ça va pas. Là t'es recalé. Oh là là, mais en plus j'ai pas été assez attentive, j'arrive pas à tenir. Écoute Marion, si tu veux faire cette compétition, faut que tu te concentres un petit peu. Donc, voilà, on va mettre des fessées bientôt, vas-y. Donc ça veut dire que je suis pas prête pour la compétition? Il y a du boulot, ouais, ça va être compliqué. Non mais c'est oui ou c'est non? Franchement, je crois pas. Ok, t'es méchante? T'es méchante? Non, c'est pour ton bien, je préfère que tu sois dans le public. Ok, bon bah vas-y, montre-moi ce que tu sais faire toi. Je la mets au défi, ok. Elle monte sur la barre, donc elle est déjà peut-être 2 mètres de hauteur, voilà, elle est tout en haut, en maillot de bain, à moitié en maillot de bain, on peut le dire. Et là, elle développe le bras, elle balance ses cheveux, elle descend tout du long avec sa cuisse. Oh, c'est glam, hein? C'est vraiment glam. Et là, voilà, elle est en position Superman, comme si elle s'envolait avec le poing levé devant. Et là, elle tombe au sol. Ok, bon, ben, je veux bien te croire que tu es une professionnelle, hein, que j'ai pas ma place pour la compétition. J'accepte complètement ma défaite. En tout cas, pour tous ceux à qui ça a donné envie, pardon, c'est quoi les infos pour pouvoir rejoindre l'école? Alors, si tu veux venir faire des cours avec nous, c'est pinkattitude.ch. Tu trouveras le planning de nos 3 écoles et les tarifs. Ok, et pour la compétition? Alors, si vous voulez venir voir la compétition, c'est ouvert à tout le monde, aux curieux, aux novices, aux passionnés, aux plus ou moins expérimentés. C'est suissepoletheatre.ch. Ok, et Lévi qui est un petit peu près de ses sous, c'est cher ou pas les cours? C'est accessible pour tout le monde? C'est accessible à toutes les bourses. Et bim, 16h-20h sur Rouge FM. Rouge.